Yo les amis, c'est Passé Artifice, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors sujet. Donc là c'est une vidéo sur Nostal, sur l'ouverture de 42 boîtes Cartos. Donc écoutez, bah, on est parti. J'ai fait pas mal de raids pour ceux qui connaissent le jeu. J'espère avoir des bons trucs. Donc on est parti, c'est parti. On commence avec de la terre. Donc, bon la terre ça va, c'est toujours bien. Est-ce que ça va me servir pour monter le stuff 95? De la terre. Ah, alors des cristaux, des diamants brisés, donc qui se trouvent en 10k l'unité. Donc là ça fait 70k, c'est pas mal. J'espère que j'aurai mieux quand même. Encore des diamants brisés. De la terre. Donc là il m'en faut en masse de la terre, il m'en faut à peu près 2000. Donc bon, c'est toujours bon d'en avoir. Ça je crois que ça va me servir aussi, les morceaux de métal incandescent, qu'on verra. Hop, on continue à ouvrir. Ah, des diamants intacts, donc 50k l'unité, donc c'est pas mal. Donc j'espère avoir autre chose. Encore des diamants. De la terre. Dommage. De la terre. On continue. On a encore de la terre. Donc la terre, ça se revend assez cher, il me semble. Je sais plus combien ça se revend. Moi perso, je les vends pas. Ah oui, on peut pas ici. Perso, je ne les vends pas parce que j'en avoir besoin. Ah, 5 intacts, ça c'est pas mal. Ça fait 500k, non? Non, 250k. J'ai des bêtises. Un morceau de métal. Ok, on continue. De la terre. On a beaucoup de terre hein, dans ces ouvertures. De la terre. Morceau de métal. D'accord. On n'a pas vraiment trop de chance pour le moment. Des intacts. On a beaucoup beaucoup de terre. Ah, eau de source. Ça se revend 200k il me semble à peu près. Donc ça c'est pas mal. Antique boîte. Alors une boîte R5. Donc à mon avis il y a de grandes chances d'avoir un stuff. On va voir. Voilà. Un peu dégoûté. Ça, ça doit pas valoir très très cher. Il me semble. Ah, je sais pas. Je vais. Enfin je regarde. On verra après. Ah, encore un stuff. Bon bah voilà, un R0, donc ça c'est un peu de la merde, je vais la revendre direct. Hein. Donc des diamants brisés. Pour l'instant rien de ouf, hein. Je suis un peu deg. Arbalète R4, ouais pas terrible. Faut savoir qu'il y a 8 niveaux de rareté. Plus le rareté est haut, plus bah, l'arme coûte cher. Ou plus elle est forte. On continue. Des intacts. Pas grand chose hein. Des intacts encore. Bon en tout cas ce qui est point positif c'est que ça me fera un peu de sous. Des diamants brisés. Ah, une partie gauche du raid. Bon ça c'est nul. Tant pis. Des intacts. Morceau de raid. Ouais bon ça ça a chier parce que... pistolet mage. Nul. Bon tant pis. Ah, autre source. Bon je m'attendais à mieux mais bon. Brisé. Terre. Intact. Autre source. Bon. On continue. Ouais. J'en ai encore là. On va les transférer. Voilà. On continue pour les dernières boîtes. Intact. Terre. Intact. Partie gauche. Ouais, bon, ça c'est vraiment nul ça. Je suis vraiment dégoûté quand j'ai ça. Quoi. Encore une. La place. Encore. Ah bah, décidément. Intact. Et la dernière. Éther. Donc bon j'ai pas eu ce que je voulais mais bon tant pis. Alors on va aller voir un peu le prix de la R5 qui est là. Hop. Alors donc ça s'appelle hop
souffle. Deux F, L, E, 2. Voilà. Combien que ça vaut? Alors, 45, ouais, 45K, ouais, c'est pas terrible, autant la vendre direct, hein. Ça vaut 50K, je crois, 40K. Ouais, c'est pas terrible. L'éther, alors l'éther, j'en ai quand même une masse. L'éther, ils sont où? Ils sont là. Donc j'ai 52 terres. Donc c'est pas mal. L'éther, ça se revend. Alors. Donc ça se revend 57K l'unité. Par contre, je ne les vends pas. Et les autres sources. O2 sources. Ça se revend. Donc 249K l'unité. Donc c'est pas mal, j'en ai 4. Donc sans compter après les intacts et les brisés. Donc ça fait pas mal d'argent. D'ailleurs, les intacts et les brisés, on va aller les vider tout de suite, les vendre tout de suite. Donc là, je suis à 39 millions. On va voir à combien je vais passer. Alors, donc ça nous fait 350K. Et ça nous fait un M700. Voilà. Donc plus tout ça. Voilà, vous voyez, comme je dis, 45K. Hein, autant les vendre directement. Ça c'est pas terrible. Voilà. Donc du coup ça nous fait 41 346 000. Donc c'est pas mal. Alors personnellement je m'attendais à avoir ça. J'aurais voulu avoir ça. Voilà, je m'attendais à avoir ça, les bottes Karthos. Donc ça vaut comme vous le voyez. Bon là c'est 189 millions mais ça doit valoir 80 millions la botte à peu près. Donc j'aurais aimé avoir ça mais bon j'ai pas eu de chance, j'en ai pas eu, dommage, peut-être une prochaine fois. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye bye.